La croix, c'est un peu plus d'une tonne ou deux tonnes, hein, de 15 mètres de hauteur encore. C'est-à-dire, en plus de ça, il y aura encore 15 mètres de hauteur pour la croix. Donc, le challenge cette année, c'est la toiture, c'est la cathédrale. Donc, tout à l'heure, vous allez entendre, je ne vais pas vite parler, je ne vais pas parler plus vite que les patrons, mais vous allez entendre que tout ce qu'on va faire cette année, c'est la cathédrale. Mystère divin. Voilà, voilà pourquoi on veut vraiment faire l'effort pour finir les grosses œuvres. Si on finit vraiment les grosses œuvres, on peut respirer. C'est vrai, c'est pas pour vous faire peur, le défi qu'on vous a donné là. Vous voyez un peu les fenêtres là, qu'on appelle les ogives. Ce sont les fenêtres, il y a une centaine. Là, on va mettre des vitraux. On n'a pas encore évalué. On dit bon, c'est pas un souci. Ce qu'il faut évaluer, c'est de finir les grosses œuvres, les revêtements au sol et au mur. Ça, on a évalué dans le montant qu'on vous a donné. Et puis, il y aura la sacristie, c'est-à-dire là où les prêtres seront. Et dans cette sacristie, il y a une chapelle. Et il y a d'autres éléments qui seront prévus. Ça aussi, ça a été évalué. Donc, ça, tout l'ensemble, c'est ça qu'on appelle une grosse œuvre, avec la couverture, tout. Mais on va vous épargner ce qui a été fait depuis dans la fondation. Mais pour résumer, c'est dit que pour avoir ce que vous avez là comme ouvrage, il a fallu que la fondation soit faite de sorte qu'elle puisse supporter ce que vous voyez. Donc nous avons mis beaucoup de temps, beaucoup d'argent dans la fondation. Aujourd'hui, nous voyons ces murs, ces poteaux. C'est vraiment un ouvrage qui a été fait avec beaucoup de technicité. Ce n'est pas un bâtiment simple qui a été monté comme ça avec des briques. Ce sont, tout ça sur les voiles, c'est du béton armé. Tout est en béton armé. Le mystère divin, quoique si loin, lui nous avait déjà étreint. JMV, vu qu'on t'a fait servir. JMV, je la marche avec Marie et ses vaisseaux d'épaule. Nous sommes la jeunesse mariale vincentienne du diocèse de Grand Bassam et nous œuvrons dans la charité. Merci. Ma vie à moi, ma vie à moi. Alors moi c'est Ndri Etienne Nissé, responsable diocésain du Mège de Grand Bassam. Le Mège signifie mouvement eucharistique des jeunes. Alors notre spiritualité est celle de Saint Ignace de Loyola qui est basée sur la contemplation dans l'action. C'est-à-dire que nous donnons de l'importance à l'Eucharistie et à l'Eucharistie célébrée et vécue. Ma vie à moi, ma vie à moi. Notre monnaie de saison s'appelle Père Kouma
Germain, il est le curé de la paroisse Christ-Roi de Jean Folie. Dans ton cœur de mère, honoré.
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Veuillez vous asseoir. Nous invitons Monseigneur Kwasi Bonzojon, vicaire général du diocèse de Grand Bassam, qui nous fera entendre la nouvelle du jour. Excellences, révérends pères, révérendes sœurs, frères et sœurs, il y a quelques mois, nous nous sommes retrouvés en ce lieu pour mettre fin à notre marche pastorale 2022-2023. Aujourd'hui, à l'appel de notre évêque, nous sommes venus si nombreux pour l'écouter et pour vivre cette cérémonie d'ouverture de toute l'activité pastorale du diocèse de Grand Bassam. C'est une belle joie, une grande joie, car nous voici revenus des vacances. Nous avons pu mettre fin à quelques activités pour nous reposer. Je dirais le travail recommence. La vie de Cézanne prend vie et commence encore à partir de cette célébration qui marque l'ouverture de toute l'activité de la vie diocésaine. Au nom de l'évêque, je voudrais alors vous dire merci d'être venu et vous souhaiter à Kwaba, en ce lieu qui est devenu traditionnellement le lieu par excellence de nos retrouvailles diocésaines. Cette année, comme vous l'avez peut-être dû l'entendre, nous allons orienter notre regard vers un élément essentiel, signe de notre unité, symbole de notre fraternité et lieu d'accueil de toute la vie diocésaine. Ce lieu, c'est la cathédrale Saint-Esprit, qui sera pour nous le logo, la pensée, la réflexion, toute l'activité pour ces deux années qui vont suivre. Et pour bien comprendre comment nous devons vivre cette année pastorale, un thème nous a été donné. Ce thème, nous l'avons exprimé à partir d'un logo qui donnera à chacun sa feuille de route, la manière dont nous devons marcher ensemble pour travailler ensemble et bâtir avec beaucoup de joie, mais dans l'unité, notre nouvelle cathédrale. Ainsi donc, voici, frères et sœurs, la raison de notre présence. L'évêque nous a appelés et il va nous parler. Il m'a chargé alors de vous donner en premier lieu le thème qui conduira toute l'activité pastorale. Le thème, le voici. Dans la joie et l'unité, marchons ensemble pour l'achèvement de notre cathédrale. Et maintenant, pour mieux expliquer le logo qui va venir, pour nous faire bien comprendre ce thème, je vous demande de suivre attentivement l'explication de ce logo. Nous invitons le Père Akafo Devi qui nous conduira dans la présentation du logo pour cette année pastorale. Grand Bassam, porte de la foi, fille aînée de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, quelques années après la célébration des 125 ans de ton évangélisation, et après un peu plus de 40 ans de ton existence en tant que diocèse, te voilà à une étape décisive de ta vie. Te voilà pour relever un grandissime défi. Les défis, tu les as maintes fois relevés, fort de ta foi, fort de tes pasteurs, fort de l'unité de tes fils et filles. Ce défi, tu le relèveras à coup sûr dans la joie et l'unité. Pour nous y aider, fils et filles de Grand Bassam, fixons les yeux sur les symboles qui nous feront entrer dans la mystique de l'appel grandiloquent à notre engagement. Il nous faut ouvrir grandement les yeux pour bien voir et épouser la vision, l'unique vision de l'Église Famille de Dieu à Grand Bassam en cette année pastorale. Sur notre affiche, nous apercevons la calligraphie diocèse de Grand Bassam
avec la précision de l'année pastorale actuelle 2023-2024. Parallèlement, sur la même affiche, le logo de cette année qui donne l'ordre de mission de tous les chrétiens de Grand Bassam. Le logo met en exergue sept bonhommes de diverses couleurs qui forment un cercle se tenant les mains en signe d'unité, comme pour relever un défi commun. Ne dit-on pas que l'union fait la force et que c'est en restant unis que les fourmis magnans peuvent traverser la rivière, dit le proverbe africain. Les sept bonhommes symbolisent les sept secteurs qui forment l'unique famille de Dieu à Grand Bassam, prêts à réaliser la vision diocésaine. Chaque secteur, selon son génie propre, est prêt à relever le défi de cette année pastorale qui est l'achèvement de notre cathédrale. Les sept bonhommes pourraient également signifier l'unité dans la perfection des mouvements, groupes et associations organisés en grandes entités. La Sainte Enfance missionnaire, le comité jeune et la pastorale des adultes, ou encore de tout le presbytérium, de l'union des religieux et religieuses et de tous les fidèles laïcs réunis en conseil diocésain du laïcat. Le chiffre 7, chiffre de la perfection, est une invite à parfaire tous nos efforts pour l'achèvement de la maison commune diocésaine. D'ailleurs, le septième jour, jour du repos de Dieu après la création, doit pouvoir nous stimuler à lui bâtir une digne demeure, car c'est dans la maison qu'on peut mieux se reposer. Au cœur de ce cercle formé par les sept bonhommes, comme la pupille dans l'œil, l'imacercible, l'inaltérable, l'inoxydable Ngamonou, qui est désormais l'ADN du diocèse de Grand Bassam, laboratoire de l'unité. Nous formons la génération du Ngamonou, de l'unité, de la communion, ayant une vision unique. La vision de l'évêque, la vision des prêtres, la vision des religieux et religieuses, la vision des fidèles laïcs, la vision des vieillards, la vision des adultes, la vision des jeunes, la vision des enfants, la vision des secteurs pastoraux, la vision des paroisses, la vision des chapelles, la vision des institutions. Cette année, l'unité, la vision commune a un nom, la cathédrale Saint-Esprit, la priorité des priorités. D'où l'image de la cathédrale, non plus en chantier, mais vraisemblablement achevée, qui domine toute l'affiche. La grande et urgente priorité qui s'offre à nous, sans évacuer les autres œuvres d'Église, est la construction de la cathédrale Saint-Esprit. L'usage des bonhommes suggère un langage puéril pour inviter à la foi des enfants, la foi pure, selon que nous le recommande le Christ dans les Évangiles. Avec toi, Seigneur, sans cesse avec toi, pour relever tous les défis, Dieu fidèle. Mais les couleurs utilisées sont assez suggestives. Le marron évoque le retour aux choses simples, brutes, rappelant la terre, la tradition, le retour aux sources. Nous sommes appelés à retourner à la foi brute, la foi obéissante, la foi de l'enfant,
car nous sommes justement la porte de la foi pour achever notre cathédrale. Le rouge, synonyme de puissance, de force, de royauté, d'amour-passion, doit nous rendre éperdument passionnés dans notre amour pour le diocèse, notamment pour son église bâtiment qu'est la cathédrale. Aimons le diocèse plus que nos paroisses, aimons nos paroisses plus que nous-mêmes, avait dit Monseigneur Raymond Awa. L'orange, qui dégage une forte valeur positive, un optimiste de vainqueur, peut dynamiser chaque diocésain de Grand Bassam à travailler pour faire avancer exponentiellement les travaux de la cathédrale. Le bleu, mettant en lumière la stabilité, la confiance, la responsabilité, la vérité, pourrait par exemple nous stimuler à nous engager totalement dans la vérité. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même, dit la petite Thérèse. Le vert, symbole de l'espérance, de l'éveil vital, de la jeunesse, de la créativité, doit éveiller notre capacité à être créatif pour une charité plus inventive. Le violet nous plonge dans la prière, la profondeur, une des grandes vertus prônées et vécues par notre deuxième évêque, Monseigneur Paul Dacoury Tablé. Le violet invite aussi à la pénitence, la conversion, pour éviter de pactiser avec le vieux démon de la division, des murmures, des médisances. Mais aussi, il nous oriente vers les vaillants diocésains trépassés qui n'ont ménagé aucun effort pour le projet diocésain, en l'occurrence, feu Monseigneur Joseph Adon Akichi, le premier à rêver ce projet. Avec eux, nous formons une communauté de morts vivants pour mener à son terme ce noble projet. Le jaune, caractérisant l'esprit de fête, de gaieté, de joie. Justement, le thème de cette année pastorale commence par un appel à la joie avant toute entreprise. Appel qui doit se terminer dans la joie, même si quelques temps de larmes seront détectés en cours de chemin. Le psalmiste ne dit-il pas que ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie? Des cœurs brûlants et des pieds en marche, armons-nous de courage pour relever le défi d'achever notre cathédrale. Avec Notre-Dame du Rosaire, notre allié infaillible, proclamons notre victoire sur les ennemis de l'Église Famille de Dieu à Grand Bassam et empressons-nous d'achever notre Église cathédrale. Main dans la main, mettons-nous debout dans la joie et l'unité pour répondre ensemble notre hymne diocésain, l'Ecclésial.
Lecture du livre d'Esdras. La première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur, proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier dans tout son royaume, et même consigné par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que son Dieu soit avec lui, qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et qu'ils bâtissent la maison du Seigneur, le Dieu d'Israël, le Dieu qui est à Jérusalem. Parole du Seigneur. Je vis la nouvelle Jérusalem descendre du ciel d'auprès de Dieu. Belle comme une épouse parée son époux. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Il aura sa demeure avec eux. Je vis la nouvelle Jérusalem descendre du ciel d'auprès de Dieu. Belle comme une épouse parée pour son époux. Ils seront son peuple et Dieu est le
Plus de mots, ni de pleurs, ni de cris, ni de peine, qu'à l'ancien monde s'en est allé. Je vis la nouvelle Jérusalem descendre du ciel auprès de Dieu. Réjouis-toi, Vierge Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Gloire à toi, Seigneur. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Veillez vos maîtres debout. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes venus des quatre coins du diocèse, convoqués pour la messe d'ouverture de la rentrée pastorale 2023-2024. Cette rentrée pastorale a pour thème « Dans la joie et l'unité, marchons ensemble pour l'achèvement de notre cathédrale. » Frères et sœurs, comme vous le savez, l'actualité de l'Église catholique en Côte d'Ivoire est dominée par la visite ad limina apostolorum à Rome.
À Rome, nous avons célébré la messe en la basilique Saint-Jean de Latran, qui est la cathédrale du pape. Nous avons prié et célébré la messe à la basilique Sainte-Marie Majeure, puis à la basilique Saint-Paul hors les murs, et enfin à la basilique Saint-Pierre. En tous ces endroits, lieux saints pour le culte, j'ai prié pour vous et surtout pour notre cathédrale. Ces édifices religieux sont magnifiques et d'une beauté exceptionnelle. Ils ont été élevés à une époque où il n'existait pratiquement pas de machines, de grues, etc. Pourtant, ils sont d'une perfection et d'une grandeur incroyable. En contemplant de tels ouvrages édifiés pour la gloire de Dieu, je me suis dit que ces gens de cette époque, ces gens ont construit la maison de Dieu à la dimension de leur foi. Au cours de cette visite ad limina, j'ai offert au pape 2 livres et 1 bâtique avec l'effigie de notre cathédrale. Comme c'est assez grand, on n'a pas eu le temps de déployer. Mais si vous voyez en figurant quelque chose de couleur jaune entre les mains du pape au milieu des livres, c'est de ça qu'il s'agit. Malheureusement, comme j'ai dit, je n'ai pas eu le temps de dire au pape que notre cathédrale est en chantier. Sans doute, il le sait. De toute évidence, il prie pour vous, pour nous et pour notre cathédrale, afin que nous aussi, nous puissions construire une demeure de Dieu à la dimension de notre foi, la foi de l'église de Bassam qui est porte de la foi. Frères et sœurs, l'actualité de cette nouvelle année pastorale est dominée par le thème relatif à l'achèvement de notre cathédrale. Nous sommes rassemblés ici, au pied de cette même cathédrale, pour confier à Dieu tous les défis qui nous attendent dans notre marche diocésaine. Je sais que le prix du carburant a été augmenté, et ainsi le prix des autres choses. Je sais que c'est la rentrée scolaire et académique, et que chacun de nous, de quelque manière, est parent d'élève. Mais précisément, c'est dans ce contexte historique, humain et financier que la parole de Dieu nous interpelle et nous invite ce matin. Quiconque fait partie du peuple de Dieu, qu'il monte à Jérusalem, qu'il bâtisse la maison du Seigneur. Esdras, chapitre 1, versets 1 à 6. Et c'est le texte que nous avons écouté en première lecture. Selon cette lecture, un roi païen, Cyrus, roi des Perses, est concerné par la construction de la demeure de Dieu. À sa suite, les populations résidant en Israël, comme celles qui habitent loin d'Israël ou dans la diaspora, sont concernés par la construction de la demeure de Dieu. Les voisins aussi sont invités à apporter leur aide. On sait que selon Luc 7, verset 5, c'est un païen, un centurion romain, qui a bâti la synagogue. Frères et sœurs, Dieu a besoin de chacun de nous pour bâtir sa demeure. Que personne ne néglige sa contribution en faveur de la cathédrale. Aucun centime n'est à négliger. Ainsi, nous pourrons marcher ensemble
vers l'achèvement de notre cathédrale. Nous pourrons alors construire une demeure de Dieu à la dimension non seulement de notre foi, mais aussi de la gloire de Dieu. Prions ensemble. La Vierge Marie que nous célébrons aujourd'hui, sous le titre de Notre-Dame du Rosaire, afin qu'elle intercède pour nous et pour notre cathédrale. Rassurée par l'ange Gabriel que rien n'est impossible à Dieu selon l'évangile que nous avons entendu, avec la Vierge Marie, frères et sœurs, disons, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Que Dieu vous bénisse tous, servantes et serviteurs du Seigneur, maintenant et à jamais. Amen. Sobe no, sobe no, sobe no.
Vraiment, Père très saint, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te proclamer admirable dans le triomphe de tes saints, et plus encore, de dire la grandeur de ta bonté pour fêter la bienheureuse Vierge Marie, en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière, et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges, en choisissant ton humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, et après la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Raymond, l'ensemble des évêques, particulièrement ceux qui sont réunis en ce moment à Rome, en synode, les prêtres, les diacres et tout le peuple de Racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi près et très aimant tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, pour tous ceux et toutes celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume et nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire... Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute preuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Yeah.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais tu seras ma parole. Vous savez qu'en 2017, précisément en mai 2017, notre père évêque, Monseigneur Raymond Awa, reprenait les travaux de la construction de la cathédrale en mettant en place la commission mobilisation des ressources et communication. Et à cette époque, la cathédrale était évaluée à 4,9 milliards. Aujourd'hui, nous sommes en 2023 et avec le coût de la vie, avec l'inflation, nous avons réévalué la cathédrale, le coût de construction de la cathédrale à 6,7 milliards. Ceci dit, nous allons vous dire que jusqu'à présent, nous avons recueilli au total toutes les opérations confondues. Et à la date de fin août 2023, nous avons collecté au total 3,701 209 964 francs. Je reprends, 3,701 209 964 francs. Lorsque vous déduisez ce montant des 6,362,892,017, il nous reste à recouvrer, il nous reste à trouver 2,661,682,053 francs. Je reprends ce qu'il nous reste à trouver, 2,661,682,053 francs, que nous arrondissons à 2,700 millions. Frères et sœurs, au nom du comité de construction, nous vous disons merci pour vos dons
Et je terminerai mon propos par une phrase, une seule. Dans la joie et l'unité, marchons ensemble pour l'achèvement de notre cathédrale. Merci pour votre écoute religieuse. Et maintenant, nous invitons le révérend père Basile Diané, coordinateur de l'équipe chargée de la rédaction de l'histoire du diocèse du Grand Bassam, balbutier dans le bel ouvrage « Une si belle histoire ». N'ayez pas peur, pour moi c'est pas cher. Je vais demander au père Akafou, Cyril, Marc Achille Moulot, venez à côté de moi, c'est le comité qui a travaillé. Père Akafou, voilà. Donc, durant 15 mois, frères et sœurs, j'ai été chargé de coordonner cette équipe. Cyril, où il est? Marc Achille Moulot, l'abbé Marc Achille. Et donc, je suis heureux aujourd'hui de vous présenter le fruit de notre travail. Cette œuvre que vous voyez. Une si belle histoire, la magnifique histoire retraçant la vie du diocèse de Grand Bassam. C'est une œuvre historique, c'est une œuvre de référence internationale, mes frères et mes sœurs. Je voudrais sincèrement vous inviter à vous en procurer parce que c'est une bibliothèque vivante, en principe. Tout chrétien normal du diocèse de Grand Bassam doit s'en procurer. Tout chrétien normal du diocèse de Grand Bassam. Vu la qualité du livre qui a été imprimé en Belgique, évidemment, et donc le livre coûte 20 000 francs, mais exceptionnellement, Monseigneur a voulu que le livre coûte 15 000 francs. Voilà, 15 000 francs le livre. Donc on va remettre un exemplaire officiellement à Monseigneur. Monseigneur Raymond va signer. Ok, donc on va remettre un exemplaire officiellement à Monseigneur Raymond. Monseigneur, merci pour la confiance. Merci pour la bique rouge. On a souffert. On va, ça revient, bique rouge. Mais ça donne ce travail. Merci beaucoup. Voilà. Aujourd'hui, le bic est bleu. Rendons grâce à Dieu. Notre évêque dédicace ce premier extrait d'une si belle œuvre qui sera remis à Monseigneur Paul Dacoury Tablé au nom de tous les diocésains de Grand Bassam. Je voudrais lire à Monseigneur Paul Dacoury Tablé, toujours rassemblé à l'ombre de votre grande spiritualité. Nous sommes heureux et fiers de vous offrir toute notre histoire diocésaine. Signé Monseigneur Raymond Awa. Bonjour chers frères et sœurs, pour cette année nouvelle 2023-2024, il a plu à Monseigneur Raymond Awa de prendre quelques décrets pour ériger quelques quasi-paroisses en paroisses et de scinder le secteur de la commune de Port-Boué en deux secteurs. Donc je vous donne la teneur des décrets. Je commence par le décret portant création du secteur pastoral de Jean Folly. Nous, Raymond Awa, par la grâce de Dieu et en communion avec le siège apostolique, évêque de Grand Bassam, vu l'étendue du secteur pastoral de Port-Boué, vu la distance à parcourir entre les paroisses, considérant l'immensité du travail à faire et les défis à relever dans cette zone,
Considérant qu'une nouvelle approche pastorale doit être menée, nous conformons aux prescriptions du canon 476 du Code du droit canonique en vigueur, décrétons. En ce jour du 7 du mois d'octobre de l'an 2023, en la mémoire de Notre-Dame du Rosaire, la subdivision de la zone pastorale dans la commune de Port-Boué en deux secteurs pastoraux. Le secteur pastoral de Port-Boué et le secteur pastoral de Jean Fauly. Ainsi, le nouveau secteur pastoral de Jean Fauly regroupera les paroisses suivantes: Saint-Jean-Baptiste d'Adjifou, Christ-Roi de Jean Fauly, Notre-Dame de Cana de Jean Fauly Belleville, Saint-Louis de Gonzague de Gonzagueville, Saint-Joseph artisan d'Anani, Saint-François d'Assise d'Amamou, Sainte-Thérèse d'Avila et les Francocotérés et Saint-Joseph d'Ababou. Pour ce qui concerne les paroisses, deux quasi-paroisses ont été érigées en paroisses. Ainsi, nous avons le décret portant érection de la paroisse Saint-Jacques de Modeste. Nous, Ramon Awa, par la grâce de Dieu et en communion avec le siège apostolique, évêque de Grand Bassam, mu par notre sollicitude de père et de pasteur de l'église diocésaine de Grand Bassam, vu le décret RA-2021-2022 du 13 août donné le 7 octobre 2022 par lequel nous érigeons en quasi-paroisse la communauté des fidèles de Saint-Jacques de Modeste, considérant le dynamisme de cette communauté et dans l'esprit du jubilé des 40 ans de notre diocèse, sur proposition des agents pastoraux et après avoir entendu le conseil presbytéral, conformément aux prescriptions du canon 515, paragraphe 2 du Code de droit canonique et du directoire apostolorum Sucesseres au numéro 214, décrétons. Article 1er. L'érection canonique de la paroisse Saint-Jacques de Modeste, avec tous les droits et obligations y afférents selon les prescriptions canoniques. Article 2. La paroisse Saint-Jacques de Modeste est délimitée au nord par l'autoroute de Bastam, au sud par l'océan, à l'ouest par la paroisse Saint-Joseph artisan d'Anani et à l'est par la paroisse Saint-Esprit de Moqueville. Article 3. La paroisse Saint-Jacques de Modeste couvre la superficie des villages Bamblé et Modeste, des cités Azur, AGB, Ado, Morofier, Alliance, Mossou-Ouest, 3CB, Italia Sidi et Champ de Tir. Article 4. Cette nouvelle juridiction est rattachée au secteur pastoral de Grand Bassam. Aussi, à tout effet administratif et canonique afférent, émettons-nous le présent décret donné à Grand Bassam au siège épiscopal le 7 octobre 2023 en la mémoire de Notre-Dame du Rosaire. Le dernier décret concerne la quasi-paroisse Marie, Mère de la Divine Providence de Beaunois. Décret donc d'érection de la paroisse Marie, Mère de la Divine Providence de Beaunois. Nous, Ramon Awa, par la grâce de Dieu et en communion avec le siège apostolique, évêque de Grand Bassam, mais par notre sollicitude de père et de pasteur de l'église diocésaine de Grand Bassam, vu le décret par lequel nous érigeons en quasi-paroisse la communauté des fidèles de Marie, Mère de la Divine Providence de Beaunois, considérant le dynamisme de cette communauté et dans l'esprit du jubilé des 40 ans de notre diocèse, sur proposition des agents pastoraux et après avoir entendu le conseil presbytéral,
conformément aux prescriptions du canon 515, paragraphe 2 du Code de droit canonique et du Directoire Apostolorum Sucesseres au numéro 214, décrétons. Article 1er. L'érection canonique de la paroisse Marie-Mère de la Divine Providence de Beaunois, avec tous les droits et obligations y afférents selon les prescriptions canoniques. Article 2. La paroisse Marie-Mère de la Divine Providence de Beaunois est délimitée au nord par la paroisse Saint-Michel-Archange de Bongo, au sud par l'autoroute internationale Abidjan-Lagos, à l'est par le village de Nzikro et à l'ouest par la paroisse Saint-Pierre-Clavert de Beaunois. Article 3. La paroisse Marie-Mère de la Divine Providence de Beaunois couvre la superficie de la moitié du quartier Beniri, partant de la cité Sokabo jusqu'au centre de formation technique de Beaunois et des villages de Kentivé, Adosso, Ono, Bor, Akroba, Ono 14, Yehou, et puis les quartiers PK5 et Kimoukrou. Article 4, cette nouvelle juridiction est rattachée au secteur pastoral de Beaunois. Aussi, à tout effet administratif et canonique afférent, émettons-nous ce présent décret donné à Grand Bassam au siège apostolique, au siège épiscopal le 7 octobre 2023 à la mémoire de Notre-Dame du Rosaire. Je vous remercie. Nous invitons au pupitre le secrétaire général de la curie diocésaine de Grand Bassam, le révérend père Adingra Désiré, pour la présentation des agents pastoraux nouvellement affectés pour la mission sur le territoire diocésain de Grand Bassam. Pour cette présentation, nous commençons par les pères diocésains. Il était dans le diocèse de Saint-Dié en France. Il est affecté comme curé à la paroisse Saint-Pierre-Apôtre de Yaou. Il s'agit du père Opilui Marcel. Il était au Kenya pour des études. Il est affecté comme curé de la paroisse Sainte-Marie de Tiapoum. Il s'agit du père Didier Bromi. Il était aux études en France. Il est affecté comme formateur au grand séminaire Saint-Pierre de Dalois. Il s'agit du père Adjobi Charles. Il était aux études à l'UKAO UUA. Il est affecté comme curé de la paroisse Saint-Louis-Orion d'Abouasso-Komoué. Il s'agit du père Broubeda Paul Valéry. Deux autres pères vont nous rejoindre après la rentrée pastorale. Il s'agit du père Lino Pofeaka, qui est affecté comme curé de la paroisse Christ-Roi de l'Univers de Mouyassoué, et du père Évariste Amanbilé, qui est affecté comme curé de la paroisse Sainte-Thérèse d'Assini-Mafia. Dans le cadre de notre partenariat avec l'archidiocèse de Strasbourg, nous avons reçu un séminariste en Suisse pour cette année 2023-2024. Il s'agit de l'abbé Maxime Auguste Grossard. Il est en stage à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Kumasi-Prodomo. Nous passons aux religieux et religieuses. De la congrégation des Sœurs Notre-Dame du Calvaire, Sœur Rose de Lima Aman Abi. Elle est là?
Toujours de la congrégation de Sœur Notre-Dame du Calvaire, Sœur Agathe Paula Kovana. Toujours de la même congrégation, Sœur Myriam Emmanuel Ouattara. Voilà donc trois sœurs nous rejoignent pour la mission de la congrégation Notre-Dame du Calvaire. De la congrégation des sœurs missionnaires de la charité, Sœur Chrisma Thérèse. Nous passons à la congrégation de la Société de Saint-François de Sales, le Père Évaluis Silué. De la congrégation des missionnaires Saint-Antoine-Marie Claré, les Claritains, le Père Herman Aguirre Assémian. Le frère Herman Monet. Voilà. Et le père Émilien Esmel Adou. Voilà. À quoi va vous, cher père? Voilà. Merci beaucoup. De l'ordre des Carmes de Chaux, Père Emmanuel Kodjo Dogbevi. Père Festus Koblafia Aouniyo. Père Marie Laurent Martin Louis Huette. Voilà. À quoi va, cher père, et bienvenue dans le diocèse. Merci. Et maintenant, nous allons procéder à l'envoi en mission des membres du conseil épiscopal et des aumôniers et responsables diocésains des mouvements, groupes et associations. Pour ce faire, après l'invitatoire fait par l'évêque, celui-ci remettra les sièges de la mission au vicaire général et aux vicaires épiscopaux dans un premier temps. Suivra la réception des mains de l'évêque des sièges de la mission par chacun des aumôniers et secrétaires exécutifs diocésains qui les remettront ensuite aux responsables diocésains dans un second temps. Chers pères vicaires généraux et vicaires épiscopaux, aumôniers responsables diocésains des mouvements et associations, et vous, peuple de Dieu, la mission vous conduit à l'annonce de l'Évangile à l'intérieur des maisons, des secteurs, des mouvements, groupes et associations qui constituent notre diocèse. Je vous donne et vous confie la lumière du Christ, puissance et sagesse de Dieu. Que cette lumière éclaire nos assemblées paroissiales, les oriente, les guide et leur donne l'espérance pour mieux discerner et s'engager à la suite de Christ. Veuillez vous asseoir. Dire au monde entier les merveilles de Dieu.
gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses pavis. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Allez dire au monde entier, allez dire au monde entier, exprimer toute la reconnaissance du diocèse à monsieur le maire de la commune de Grand Bassam. Monsieur le maire, nous voulons vous féliciter pour votre réélection et surtout vous dire merci pour votre participation, grande participation à la construction de notre cathédrale. Grâce à vous, à votre effort et à votre implication, nous obtenons chaque fois l'exonération pour cette construction. 800 millions, c'est énorme. Et grâce à vous, l'État nous l'accorde gracieusement. Nous vous disons merci et encore merci. Tout en saluant votre présence, nous saluons aussi la présence de Mme Touré, présidente nationale de l'AFEC, qui est avec nous. Merci beaucoup. Nous voulons saluer aussi la présence du révérend Père Paulin Pokuta. Père Paulin, exégète et bibliste, qui est un acteur important de la formation biblique et du peuple Kitabassam. Il participe énormément à ce qu'on a dénommé le temple de la Bible. Pour ceux qui ont déjà suivi le cours sur l'Apocalypse, voilà, l'Apocalypse, c'est lui. L'Apocalypse, c'est lui qui est voilà, le formateur, l'audio que vous attendez, tout cela. Et donc, nous disons à votre nom un grand merci. Il sera encore là pour Saint-Jean, c'est ça, Monseigneur. Et donc, c'est une occasion unique de la voir, parce que c'est une renommée internationale. Père Paulin, merci. Merci pour votre sens énorme de l'Église. Je voudrais tout simplement rappeler au peuple de Dieu que la participation et l'effort qui est demandé pour la construction de la cathédrale est un effort qui est diocésain. Vous avez entendu que nous avons demandé
aux groupes et associations à hauteur de 40 millions. Nous avons demandé aussi aux prêtres d'en faire autant, peut-être pas 40 millions, de participer. Aux deux évêques, on a demandé de participer à la hauteur de leur dignité. Qu'ils regardent leur dignité et puis qu'ils participent. Au vicaire général que je suis, on m'a demandé de participer à la hauteur de 500 000 francs. À tous les vicaires étudiants en Côte d'Ivoire, une somme de 150 000. Aux curés, 250 000. Et aux membres du conseil épiscopal, 350 000. Nous avons demandé aux étudiants en Europe la somme de 200 000 francs et ceux qui sont en mission, la somme de 300 000 francs. Donc, vous comprenez que nous donnons aussi l'exemple. Nous prenons notre part à l'effort qui est demandé pour la cathédrale. Merci de faire aussi l'effort comme nous. Voilà, de faire l'effort comme nous. Parce que ce n'est pas aussi évident. Et donc, merci à vous tous de participer à cet effort. En ce septième jour du dixième mois de l'année de grâce 2023, moi, Monseigneur Raymond Aoua, évêque du diocèse catholique de Grand Bassam, déclare solennellement ouverte l'année pastorale diocésaine 2023-2024 avec pour thème dans la joie et l'unité, marchons ensemble pour l'achèvement de notre cathédrale. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez porter l'évangile du Seigneur. Oh Marie, Marie, Dieu t'a choisie.